Qui est fait depuis plusieurs années maintenant, que l'impunité est la cause essentielle de la recrudescence des pratiques de malversation, de fraude, de l'avancée de la corruption, du détournement des deniers publics et autres infractions connexes qui sont tout simplement identifiées dans la gestion des affaires publiques au Sénégal. Alors, donc cette impunité-là, il faut bien la situer. À deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'exécutif, principalement du président de la République, qui a le seul pouvoir de nommer aux postes civils et militaires. Ne serait-ce que l'application de ce pouvoir-là, en donnant suite au rapport qu'il reçoit directement et parfois même exclusivement pour le cas de l'ISAE, par exemple, doit donner suite en prenant d'abord des mesures administratives, à savoir des sanctions administratives sur les personnes dont il a été prouvé par ces rapports-là des actes de malversation. Alors l'autre niveau de cette impunité, c'est au niveau de la justice, cet autre pilier de notre état de droit. La justice, principalement le parquet, qui doit s'auto-saisir d'abord sur sa simple information de ces pratiques qui sont révélées publiquement, mais aussi doit avoir l'obligation de donner suite aux rapports qui lui sont soumis directement. Parce que le président lui-même peut le saisir sur les rapports qu'il reçoit, mais pour certains rapports, comme l'OFNAC par exemple, alors le procureur est saisi, parce que l'OFNAC ayant ce pouvoir d'auto-saisine, donc saisi, dépose tous ses rapports au niveau du parquet et il revient donc au procureur d'en donner suite. Donc c'est la deuxième responsabilité qui est celle du procureur. Alors maintenant, si de part et d'autre on se rend compte que ces responsabilités sont désertées, c'est cela qui justifie l'impunité et donc la non-suite donnée à ces scandales que chaque année nous pour la presse relais et nous lisons aussi dans les rapports. Alors je pense qu'il serait important d'abord de prendre par exemple l'exemple de la CENTIF. Tu sais, la CENTIF, quand elle saisit le procureur a l'obligation
de donner suite. Donc, il faut généraliser cela. C'est-à-dire, il faut lier le procureur sur tous les rapports qu'il reçoit de n'importe quel organe de contrôle. Ça devrait au moins lui donner suffisamment de matière et l'obligation donc, d'aller jusqu'au bout de ces cas-là. Ça, c'est...